Bonjour, Passepartout. Bonjour, Passepartout. Bonjour, il s'épuise déjà. Et je vois ça. Une patate, ça. Soyez les bienvenus. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Mais oui, il faut garder son souffle, mes enfants, parce que c'est dès le début. Bonjour, maître. Bonjour. Enchanté. Bien. Comment depuis la dernière fois? Ça va bien, bonjour. Bon, alors, j'entendais déjà le générique de l'émission qui continuait, c'est oui, toi ça? Oui, oui. Parce qu'on aime bien cette émission-là. Ouais. Bon, là, tu vas faire tous les bruitages. Tous les bruitages, ouais, c'est formidable, mais pas trop. Il est dans la tête d'éthique. Cet homme à lui tout seul est une émission. Bon, on est très heureux avec Angèle de vous avoir avec nous. On va, je le rappelle, vous voir vous batailler pour une association. Qui aimerait en dire quelques mots? Alex. Alex. Je découvre. L'association Sécu du Bonheur, c'est une structure associative qui en fait, met tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents hospitalisés. Et grâce à l'émission, on espère. Pour l'instant, on fait nos actions à l'hôpital Robert Debré, qui est l'un des plus grands centres pédiatriques d'Europe. Mais on espère, grâce à étendre ça. Voilà. Ouais. Récolter plein de boyards pour ce comme Olivier, qui était tout maigre et qui est devenu un mec super balèze. Ça commence. Pain. Magnifique. Grâce à l'association, donner des stéroïdes. Alors. Des boyards ou des euros, attention, pour les dons de l'association, c'est important de le préciser. Ah ben, les boyards ici sont immédiatement transformés en euros, fort heureusement, bien sûr. Puis le boyard ici, c'est une monnaie qui est très stable, elle ne se dévalue pas, vous verrez. Elle a vraiment pleine valeur. Alors, on va donc commencer avec la première partie de l'émission. La première partie, vous le savez, c'est une partie qui vous permet d'avoir les 7 clés pour déverrouiller la salle du trésor. C'est une partie qui dure 45 minutes. À partir du moment où le gong résonnera dans cette bâtisse, ça voudra dire qu'il ne faudra plus du tout... perdre de temps, c'est ça que je voulais dire. C'est quoi, non, perdre de temps. Ça, c'est le gong qui vient de résonner. Oh là là. Oh, c'est un joli bruit de gong. Ah, c'est un bon gong. Ouais. Fred, oui, viens ici, j'ai deux trois choses à te dire. Bonsoir, excusez-moi. Ça c'est la porte de la première épreuve. D'accord. Oui. Alors je sens que tu as très envie d'y aller. Ben, je sais pas, moi je... Comme je suis venu accompagner des amis. Mais alors en fait, ce n'est pas de toi. Ah non. Retourne à ta place. Et d'un coup tu souffles un peu quand même. Non, c'est pas bien. C'est pas non, ça c'est une cellule spéciale Omar. Évidemment, si c'est pas Omar. Fred, c'est Omar. Voilà. Non, très bien. Mon cher Omar, bonne chance à toi. Oui. Allez, tu ouvres le bal. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, voilà. Voilà, force. Bon ça. Donc là, plus il va avancer, il faut qu'il passe le clapet anti-retour qui est sur sa droite, qu'il fasse attention à ses mains quand il passe près du mur. Attention à tes mains quand t'es près du mur. Voilà. Et plus il avance le cabestan et plus ça va libérer la clé qui sera au milieu. T'es au tiers, vas-y, continue. Allez Omar, allez. Voilà, vas-y. Allez Omar. Vas-y Omar. Allez, souviens-toi ce qu'il t'a fait quand t'étais petit. Vas-y. T'as pas mal, Rocky. Vas-y, t'y es prêt. Allez. T'arrives à la boîte. Lâchez-le, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais à un moment j'ai cru que j'y étais. Ouais, on y a j'ai relâché, aussi, il m'a dégagé. Ah ouais, mais pourquoi? Ben, j'ai vu la limite, tu sais, je me suis dit c'est bon. J'ai relâché, il m'a dégagé quoi. Il est fort. T'as pas trop mal au bras? Il est fort. Ça va?
Moi, c'est mes poumons qui ont lâché, là. Ouais. Tu vas en avoir besoin de tes poumons encore, là. Ouais. C'est un petit peu le truc. Hein. C'est normal, faut commencer en perdant. On commence tout doux et après, on se rattrape, c'est-à-dire pas plus tard que maintenant. Passe-partout, on te suit. On y va.